Les espaces verts, le paysage et la nature en ville sont des choses que les citoyens qui vivent en milieu urbain réclament de plus en plus. La nature en ville, c'est quelque chose de très très important. Avec un certain nombre de collègues de ville, on s'est engagé vraiment dans des démarches de gestion écologique des espaces verts. Il y avait deux platanes qui avaient 70 ans et qui malheureusement ont été atteints d'un champignon, parce qu'en fait ce champignon est un champignon lignivore, donc qui rentre dans le bois et qui au bout d'un moment détruit la capacité mécanique du bois et donc le fragilise. Donc là il n'y avait absolument aucune possibilité de traitement. À terme ça devenait dangereux, il y avait déjà donc une branche qui était tombée et effectivement il n'était pas question de prendre le moindre risque. Le choix a été retenu pour une variété de chênes, des chênes rouges, donc qui auront l'intérêt d'avoir une couleur automnale flamboyante. C'est aussi important dans une ville où on s'est engagé dans une démarche de gestion écologique de bien marquer le rythme des saisons, et donc il y aura cette couleur automnale qui marquera l'entrée de l'hiver. Donc, Courbevoie est une ville qui depuis 2006 est classée 4 fleurs. Il n'y a que 220 villes en France qui sont classées 4 fleurs sur les 36 000. Donc on voit quand même le classement et la qualité des espaces verts. Et c'est vrai que Courbevoie est une ville à découvrir et pour découvrir tous ces lieux de paysage qui composent cette ville et qui continueront à la composer de plus en plus.